Bon, eh bien on est de retour sur Dragon Dogma 2. On va monter ce bâtiment. Il me semble être un colisée effondré. On va voir un petit peu ce que c'est. Allez. Ok, donc voyons voir un peu. On va grimper, on verra bien. D'accord. Voyons voir. Bon, on va essayer de... Ah, évidemment. Ok, on va devoir leur refaire tomber. Ok, on va faire tomber un. Au deuxième. C'est vraiment bien ce... Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Oh! Je pense qu'on va monter en haut, voir ce qu'il y a à faire et après on visitera. Ok. Foi de dragon! C'est quoi, c'est pas un bouclier ça? Ah ouais, c'est un bouclier. Bouclier de Seymour. Trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Donc, on continue. Attendez pas à un bâtiment comme ça avec autant de trucs à explorer, mais moi je dis pourquoi pas. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? De la thune. Je dis oui, hein. On n'hésite pas à bien fouiller parce que ce que je comprends, en fait, le jeu là est... quand même extrêmement généreux dans cette zone, donc autant en profiter très clairement. Peut-être parce qu'on est dans une zone, on va dire endgame, peut-être, je sais pas. Là, ça semble être une zone un peu hardcore. Ah ouais, dragon pustule. Bon. Ok. Alors voyons. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. Bon. Il y a un coffre là. Priorité, hein. Par contre, pas cool hein, de se mettre dans l'escalier comme ça. Pas cool, pas cool. On va redescendre. Venez, 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 venez tous là, restez pas comme ça là. Ah ouais, c'est bien.
Dommage, mon jump n'est pas efficace à cette distance. Bon, on y va. Pourquoi faut lui éclater les... Je comprends bien les... Je suis là. Ah, attends. On va mettre un petit bouclier. Ah, il prend quand même des dégâts, hein, c'est cool, hein. Et... Ok, là, je suis retiré. Là, la vie, là, c'est cool. Allez! Voilà. Venez tous en bas. Ah, il a rechargé ses pustules. Est-ce qu'il est chiant? Ok. Moi je suis censé... Bon, ok. J'essaie de... Alors là on est là. Voilà. Non, non. Voilà, merci, je voulais le planter. Là, ça serait bien qu'il... Faut absolument faire attention là, parce que là, il peut nous... Voilà, on va... Il reste pas beaucoup de vie, mais quand même. Oh, mais qui tombe dans le vide là. Aïe! Voilà, par contre, il faudrait que je me soigne. Un petit soin. Merci. Bon. Il est un peu énervé, hein. Un peu, un peu. De quoi il se barre? Non. Non! Ah! Tant qu'il y a la musique, c'est que c'est bon.
Attends, là, ce qu'il me faudrait, c'est... chose de perte. Oui, mais ça, je comprends. T'inquiète pas. Voilà. Ce que je veux, c'est... voilà. Ah. Attends. Ok. Bon. On va recharger la énergie. Là, on met... ah. Ouh. Allez, il lui a fait un petit jump du dragon. Nima. Trop bien. Alors. La technique ultime du DRG. Alors là, mon ami, j'ai combien de trucs comme ça là? J'en ai 12, hein, donc il m'en faut encore 3. Le bouclier qui est terrible. On va passer la mage au passage, on va la passer. Oh, on en a 13. Belle bête, hein. Bon, je suis un peu déçu. On n'en a pas 15, mais c'est pas très très grave. Hein. Donc, on va explorer ce bâtiment de fond en comble avant de se barrer. Ça m'a l'air d'être un endroit où il y a quand même pas mal de coffres. Il en faudrait plus des endroits comme ça en jeu, là. Donc, ah, regardez ça. Encore un mur à détruire, là, je pense. Ouais. Oh. Ouais, je suis sûr que je peux descendre en bas. Hein. Il y a un spot de minage et tout. Ah ouais, attends. Attends. On va remonter en haut. Je vois qu'il y a une échelle. Il y a peut-être un coffre qu'on peut aller que d'une certaine manière. Mais ouais, j'aimerais bien avoir plus d'infos, on va dire, sur ces lieux-là, comme ça, là. Espèce de colisée. C'est vrai que c'est un truc qui met un petit peu en... lol. Est-ce que je peux manger une pomme ou un truc comme ça, là? Ouais. Voilà. Donc ici, on a quoi? Rien. Ah, on a quand même un sirop désaltérant. Ah oui, d'accord. Intelligent. Et là, du coup, je peux prendre ça et descendre. Je vois quoi, il y a des chemins et tout, donc... Plutôt curieux. Par contre, ça m'avait l'air quand même d'être un bâtiment ouais, en cercle. Donc certainement avec une histoire assez intéressante. Et c'est le genre de truc qu'il ne développe pas ou très peu. Donc en dessous, on peut y aller. Mais je pense qu'on peut descendre. Encore un truc de dragon. Ouais, peut-être que je vais les avoir, mais on a quoi, 13 ou 14? Donc ouais, il y a peut-être moyen de... euh,
Anathème. Anathème, anathème, anathème. Oh. Glas mortel 630 en point normal. Bah écoute, hein, dis-moi. J'ai presque envie de te dire qu'est-ce que tu veux de plus, qu'est-ce que tu veux. Allez, bah, en plus. La puissance. Et oui, anathème, on n'a pas regardé. Anathème, c'est un bouton pour un bâton pour ouais, pour sorcier. Ok. C'est un beau bâton en plus. Est-ce qu'on a été voir par là? Là, j'ai un cru qui me rompe le cou. Là, on a le truc pour aller manger au cas où s'il y a besoin. Je disais coffres. En veux-tu, en voilà. Il y en a toujours des coffres. Quand il y en a plus, il y en a encore. Attends. Pas comment y aller là. Ouais, bon. Ça passe, ça passe. Ah, ça qu'il faut se dire, c'est que ça passe. Ok, donc. Là, on est. Un coffre, donc ouais, j'en fais peut-être finalement, j'ai bien fait. Un passage, oh, 10 000, ouais. Toi, glacial, ah bah, on a les trois bâtons, hein. Il y en a un de feu, un de glace et un de foudre. Ok, bon, bah, il refait là. Alors ça, il faudrait que je le mette en banque, la viande affinée, comme ça, parce que c'est rare déjà, premièrement. Et surtout, mais... Ah. Pas sûr qu'on puisse descendre là. Je ne suis pas sûr, et puis ça m'a l'air d'être... Je pense qu'on est vraiment arrivé tout en bas. On va quand même vérifier, mais... Dire s'il n'y a pas un truc spécifique sur lequel on pourrait Ah, quoique. J'ai un doute. Non, attends. Non. J'arrive à... Non! Ah, c'est quoi je veux? C'est bon, je suis pas mort. Mais, parce qu'il y a un mais. Quand vous n'y arrivez pas, vous revenez à l'écran titre. Et vous priez pour pas que ça soit sauvegardé. Aïe. Et bon, on va bien voir. Je me suis empoisonné. Ah.
Mais je m'en fous de toi, non mais oh. Pas encore. On va rêver là. Ok, bon. On est descendu tout en bas. Ah la merda. Empoisonné. Ok, donc ouais, là on peut redescendre en gros. Il va y avoir un passage, ouais, comme ça, là on descend et du coup on peut revenir dans nos chemins d'artillerie. Du coup, là j'ai vraiment envie de changer de classe pour ma mage. Ma sorcière là, Elandar. Je vais la passer en guerrier, je pense. Et on va retourner à Vernwark. Parti. Bonjour. Donnez un signe. Et du coup, maintenant on a un autre triomphe. La carrière compétence, donc ouais, on est plutôt bien là. En vrai. Alors attends, transfert vital, c'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas appris la compétence là, de paladin. Je pense hein, que c'est pour. On va voir. Ouais, c'est ça. Fougue sauvage. Bah écoute, hein, acquérir. On va virer Gunnir que je n'utilise pas. On va prendre Gunnir S. Ensuite, on va prendre Nitessence. Augmente le nombre de cristaux de faille reçus quand vous obtenez les fragments de faille. Waouh. On va faire ça à la place de là alors. Ensuite, réduit l'action, protection, capacité de briser les gardes de votre adversaire, pugnacité, j'aime tellement ça. Améliore la capacité de pousser et tirer des adversaires. Donc voilà. Et des tempêtes, ça c'est trop bien. Halo de guérison, c'est trop bien. Mastodonte, c'est trop bien. Nitessence, ça a l'air pas mal. Polarité, c'est trop bien. Et puis, voilà, voilà. Alors pour elle, par contre, vu qu'elle a tout débloqué, donc catalyse. Attends, ça fait quoi déjà catalyse? Augmente les dégâts infligés, la faiblesse élémentaire d'un ennemi est exploitée. Moins de votre magie, bah écoute, hein, on va te mettre ça. Et la magie, pour l'instant, c'est pas une obligation, on va dire. Et du coup, acquérir. Je vais voir la main vide. Ouais, ça, la main vide, on connaît. Expulsion, on connaît. Je crois que pour le reste, elle est bien. Hein. Elle est très très bien. C'est vrai qu'on n'a pas, la tornade, on n'a pas son sort. Donc c'est un peu embêtant. Mais du coup, on va la passer guerrier, histoire qu'elle prenne au moins 5 niveaux en guerrier. Oui. Pour l'instant, l'équipement, on s'en fout. Talent. Embuscade, aspérité, palladium. Alors, attends, parce que là. On va la passer. Augmente les dégâts infligés par vos attaques lorsque vous ciblez en posture de combat. Augmente votre endurance maximale. Ouais. Défense magique. Ouais. Augmente la restauration de la vie. Non. Réduit les dégâts infligés. Multiplier l'enchantement des bonus. Pas mal ça. Vérité, augmente les chances d'affliger des effets négatifs avec vos attaques. Non. Réduire vitesse. Non. Augmente votre résistance à la projection. Oui. Ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Ça se fait enchanter son arme. Bah écoute, ouais, on va faire ça. Voilà, elle est là pour tanker de toute façon. Pour autre chose. Alors ensuite, hein, voyons voir. Alors tu la frappes, fera impétueuse, ça on te le met. Tronche ciel, c'est bien. Frappe bouclier, c'est bien. Elle a pas l'aggro pour l'instant, donc voilà. Voilà, voilà. Allez, on va aller. Votre rencontre m'a fait réfléchir au véritable sens de devoir.
Accepté. Arigato. Et on doit aller où comme ça? Ah, on doit retourner à... Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah écoute, allons-y. De toute façon, on a terminé avec Elandar. Je l'ai mis en guerrier. Elle est très bien comme ça. Et du coup, on va pouvoir la tester. Comme ça, on va lui faire prendre un ou deux niveaux de classe. C'est plutôt une bonne chose. Alors non, c'est pas par là, c'est par là. Du coup, on va prendre un raccourci aussi pour aller à... On va prendre un petit raccourci que j'ai vu la dernière fois que j'ai fait, déjà une fois. Permet d'aller à Arve très rapidement en fait. On passe le pont et on longe la côte. Et en 5-10 minutes, on y est. On va juste l'attendre parce que sinon elle va... Voilà. Ouais, jusqu'au feu de camp, tranquille. Il y a une bête. Bon. Il arrive tranquillement. Ah, c'est marrant l'enchantement là sur l'arme. Et que sur la lame. Voilà. Allez, on passe par là. Juste à traverser tranquillement. Pas verdâtre, on en droppe pas beaucoup de ça. Alors, j'ai plus du tout d'endurance, donc là ça serait bien qu'on me donne de l'endurance s'il vous plaît. Ok, bon. Touché. Elle sera égale, Micheline. Bon. Oh! Vous n'avez pas vu, je l'ai transporté comme ça. Bah voilà, on est passé palier 2 en
avec le palouf. Hop. Est-ce que j'aime ça? Il a pas été par là, je crois. On va aller voir. Ok. On va voir là-dedans, tiens. Ah si, j'y suis allé. Bon. En même temps, un peu logique, vu que j'ai déjà fait le chemin une fois. Là, on entend encore des bestioles. Alors, allons voir. J'ai pas ramassé le coffre ici la première fois. Je crois que je suis passé en mode tranquille. Ah. Ok. Elle régale là, Elandar. Elle régale. Donc. Allons-y. On va peut-être s'arrêter dans un camp quand même. Bonjour. Niveau 39. Voilà. Un peu de peu d'XP, c'est bien. Et bim. Allez. On va terminer le chemin comme ça, là, tu sais. Hop. Oh! Attends, mademoiselle. Oh, 1800 pièces d'or, vas-y, hein. Ça à l'œil. À l'œil, à l'œil. Oh. Voilà, derrière ce petit village là, on
t'es parti de pas grand-chose et... これは感謝の気持ちよ。うまく移動できましたね。さて、ここはどういう状況でしょうか? Oh. かつてこの地は獣人の国だったという噂です。そうなんですか? Ouais, dans le château un peu. On va essayer de trouver le petit prince là. On devait aller le voir en plus, il nous avait demandé, et j'y suis jamais allé le voir. En même temps, on va en profiter pour fouiller un peu. Alors. Ah non, c'est pas par là. Là. Ah, dans la salle du trône. Oh. Il se passe quoi si je tue la reine en fait? C'est vrai que j'y avais pensé à ça. Là je pourrais hein, en vrai hein, faire le fifou. Je pourrais, mais peut-être que ça annulerait des lignes de quête. Hein. Est-ce que j'ai envie d'annuler les lignes de quête? Non. On a déjà fouillé ici. Je pense qu'il y a une salle au trésor, mais alors après, où elle est cette salle au trésor? Ça, c'est la question. Ah! Ah voilà! On a buté à la fin de poursuivre ton oncle. ファズという人物に宛てたものらしい。目を通したけど、なぜ書きかけて捨てたのかも。 手紙一応君に渡しておくよ。これが何かの手がかりになればいいんだけど、何か分かったら教えてくれるかい。時間があればでいいんだ。僕の立場でわがままは言えないからね。 Oh. Une lettre inachevée de 10 ça. Ce garçon a de quoi devenir un bon roi, je pense, sur le long terme. Très clairement. Parce qu'on connaît à peu près le devenir de mon personnage, malheureusement. Corps compose mon Est-ce qu'on sortirait pas par là? Voyons. Les jardins. Avec ouais, c'est beau. Hein. C'est beau, c'est beau. C'est quoi ça ici? Oh.
Quand l'autre elle ment, ok. Franchement sympa. Hein. J'aime vraiment me balader comme ça. Je pense que ça serait mon kiff, c'est de vivre dans une ville un peu médiévale. Hein. Il y a encore, on va dire, des vestiges médiévaux. Hein. Oh. Ah, attends là. La belle vue là-bas sur la l'île volcanique. Ah, ça me semble être une île volcanique. Qui a une espèce de brume. Il dira, ouais, non, c'est peut-être pas une île volcanique. En tout cas, il y a des ruines. Ça me semble être la zone de départ aussi. Bon, enfin. Je pense que, ouais, on peut se barrer de là. Ouais. Ok, je te suis. まずはこれを受け取りください。それは流星の直剣。私はその警備を担当するものでして、武と今は贋作を置いてごまかしていますが、念のため人目には触れさせぬようお願いいたします。その宝剣は実践用に作られたものではありませんが、代々のベルムント王が儀礼に用いてきた由緒ある品。しかしそうした伝統をないがしろにするディーサのせいで、はわかけ、かつてのベルントドノはその宝剣を完全に修復することで、各社王復権の象徴とするお考えのようです。あなた真の王として立たれるとき、腰に帯びた宝剣の輝きは民を魅了し、あなたの地位を確かなものとすることで、長年宝剣を見守り続けてきた者としても、この宝剣が輝きを取り戻したさまを見てみたいものです。しかもそれがあなたご自身の手でなされるとあらば、 これ以上の喜びはありません。この国と宝剣の行く末は各社様にかかっております。 Ok, épée régalienne émoussée. Bah écoute, ça on ira là. On va la restaurer. Après, il y aura plus un gars qu'autre chose, je pense. Bah, du coup, on va aller voir Brandt. On va essayer de passer la journée. Histoire d'avoir la nuit et de clôturer sur ça, je pense. Alors, hop. Oh. C'est vrai que là, on pourrait peut-être changer. Ah, tu vends quoi toi déjà? Acheter, tu vends un arbre de métamorphose, on s'en fout. Ah, ils ont baissé le prix, j'ai l'impression. Bon, c'est peut-être avec mon temps, tu me diras. Là, ça c'est. Ah, c'est des lunettes. Ok. Sans polyvalent. Ok, ça c'est pour modifier le comportement de mon trust. Ok. Alors attends-toi là. Acheter. On a acheté encore 3. Voilà. Alors, où je passe là. Oh! Encore un dragon? Oh. On va essayer de
pas grimper, hein. Énerve. Dommage. Ok, on va arriver à le mettre. Il va encore arriver à se barrer, je pense. Toucher, voilà. Ah non! Bon, tu te barres pas déjà! Oh. Bon. Là, rabassé les cristaux de la conique, ouais. Bon. Shit. Dommage. Dommage, 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 dommage. Bah écoute, on va passer là. On va passer du coup. On va. Non, j'avais dit la soirée. Hop. Alors. Ok. Pourtant, l'autre il m'a donné une. Inachevé. Jean de Disa, l'expérimentation. Saut régulièrement aux yeux. Ah ouais, attends. Mission. Donnez Ambrosis. Ah oui, ça c'est. Il va falloir qu'on le fasse, mais je pense qu'on le fera plus tard. Enquêter sur les instructions qui dissimulent la lettre. Et ça, ça a pas l'air de me donner les trucs, donc il faudrait limite que j'enquête très clairement sur cette lettre. Bref! On va s'arrêter là pour cet épisode. Moi, je vous donne rendez-vous pour la suite des aventures très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, zou, à l'envoyeur et à très vite.